Le film s'intitule La fin de la tempête. Ce titre vous plaît? Oui, c'est pas mal. Ça a été une longue tempête. De grandes équipes ont tenté de gagner le titre. Tant de gens rêvent de nous voir au sommet. Il faut passer à l'étape suivante. Même si je porte le brassard de capitaine, il y a bien d'autres leaders dans le vestiaire. Va bosser, mon gars. Je voulais jouer pour un club qui soit totalement dévoué à ses fans. Je suis supporter de Liverpool depuis 30 ans. J'avais 6 ans quand on a gagné le championnat. La Première Ligue, c'est comme une malédiction pour nous. Attachez vos ceintures. Je ne suis pas la personne la plus intelligente. Je ne suis pas un génie. Je ne pouvais pas réussir seul. La défaite a un goût amer. Nous, on ne veut connaître que la victoire. Je demande à mes joueurs de se focaliser sur les aspects du jeu sur lesquels on peut peser. Et l'instant d'après, le monde a changé. Ne craignez-vous pas que vos joueurs soient exposés au virus? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. C'est surréaliste, complètement dingue. Il y a eu des moments où on ne savait pas vraiment si la saison de football allait reprendre. On a prié pour que cette période passe et qu'on en ressorte encore plus fort. Ça m'a servi de motivation pour rendre à Liverpool sa place dans l'élite du football mondial. J'essaie toujours de rendre aux fans tout ce qu'ils nous donnent. Je me suis dit que tout est possible dans la vie. Liverpool a retrouvé sa place. Quand tu essuies une série de tempêtes, c'est là que tu as besoin du soutien des autres.